Mais commençons par cette journée exceptionnelle, cette traversée de Paris flamboyante, faite de plaisir et de bonne humeur pour son édition 2000, la plus belle de la décennie, selon le directeur de l'épreuve, Jean-Marie Leblanc. Le Tour s'était offert une grande boucle dans Paris intramuros, le temps de redescendre de ses nuages et de sacrer son champion, Christelle Bertrand et Bruno Livertoux. Deux poids et deux mesures. Quand Lance Armstrong décide de tomber le masque, il ne fait jamais les choses à moitié. Ce matin, les coureurs sont à 3, direction Paris. À bord de l'Orient Express, le peloton a un air de vacances, bon repas et sieste. Le Tour au pied d'Eiffel, voilà le cadre de la dernière étape. Contrairement aux apparences, Lance Armstrong, déjà vainqueur, montre son vrai visage. C'est un homme drôle en dehors des heures de bureau. Les cyclistes sont en récré. Le chef de bande invite le peloton à sa consécration. Les Américains sont montés à la capitale pour encenser leur champion. C'est un héros. Il a pu surmonter tant de tragédies, plus que personne ne pouvait le faire. Ce qui est beau, c'est qu'il finit par gagner la plus belle course de vélo du monde. C'est incroyable. Accessoirement, aujourd'hui, il y a aussi eu un vainqueur d'étape. Certes, elle n'a véritablement commencé que dans les 500 derniers mètres, mais l'important est de couper la ligne le premier. Stefano Zanini s'impose au sprint. Mais dans les tribunes, tous les yeux sont braqués sur Lance Armstrong. Sa femme et son fils ne l'ont pas quitté du regard, éblouis par la performance de papa. Je suis très heureuse d'être ici, c'est incroyable. Je suis très très fière de lui, tous comme cycliste. C'est une très bonne journée pour notre pays et pour toute la famille. Chez les Armstrong, on est maillot jaune de père en fils. Lance en a déjà 27. Il a gagné deux Tours de France, comme Bernard Thévenet, Laurent Fignon et Fausto Coppi. À 29 ans, le Texan a montré à ceux qui en doutaient encore qu'il fait toujours ce qu'il dit. Il était là pour gagner, personne n'a pu le faire mentir. La famille Armstrong a réussi son pari, défiler en jaune dans la capitale.